Salut, je vous retrouve en ce mardi pour un nouveau vlog. Alors, je vous ai fait un vlog en début de semaine, si vous l'avez pas vu, pour mon anniversaire. Voilà, donc j'ai fait une vidéo exclusivement sur ça. Et donc, n'hésitez pas à aller la voir. Et là, donc, on est mardi fin de journée. Et vu que mon grand va retourner dans le nord et qu'on voulait voir la planète des singes, on s'en va au cinéma au CGR. Il n'y a personne. On va être trois dans une salle pépère, que c'est pas une heure où que les gens vont au ciné, mais tant mieux. Donc on s'en va voir la planète des singes. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine avec moi. J'ai mis mon pull chachichaïa que mamie m'a offert. T'as malice à fond quoi. En plus le temps il est un peu frisqué, franchement. Il n'y a personne à cette heure-là. C'est tellement vide. J'étais super contente de mon anniversaire, j'étais gâtée. Merci à ma famille, à mes copines du Nord. Pff, incroyable. Incroyable ce qu'elles ont fait aussi. Ça m'a émue de ouf. Allez, mes copines du Nord, c'est les bestes. J'ai les meilleures. Allez, planète des singes en ice. Ils sont comme des dingues, là, ils sont rentrés. Attention. Ouah, trop bien. Ah, ça claque, hein. Allez César, tu t'assois là-bas. Je vous retrouve en ce mercredi, donc c'est un peu la course le mercredi parce que j'ai des rendez-vous toute l'après-midi. En plus ça me casse les 14h, 16h, 17h30, c'est un peu compliqué niveau rendez-vous. Mon fiston s'en va demain, alors ça me fait chier. C'est passé trop vite. Je pense que je vais prendre du saumon pour faire des sashimi parce que je sais qu'il kiffe ça. Et comme ça il mangera un bon repas avant de rentrer chez lui. Ça va, j'ai trouvé un train à 70€ pour aller dans le nord, et alors que le flexibus il était à 90€, donc c'est moins long quoi qu'il a un peu d'attente à Bordeaux. Mais je suis à Leclerc, le petit orthophoniste, et le but c'est qu'il goûte les fruits séchés pour son trouble de l'oralité. J'ai trouvé ça poire nature, donc on verra si ça peut passer. Ça coûte super cher quoi, super cher, c'est presque 4 balles. Mais si, ça peut lui permettre de goûter ça. Et j'ai pris aussi des chips aux lentilles et des fruits secs comme ça. Bon, on verra bien. Toutes les semaines, il faut que je trouve des idées comme ça pour qu'il goûte tout doucement les fruits et les légumes, qu'on arrive à les intégrer dans son alimentation. Bref, voilà. Bon, après l'orthoptiste. Là, j'ai orthophoniste jusqu'à 6h30 avec son petit caillou. Là, je suis pas remise de mon anniversaire, je suis très fatiguée. Oui, alors ne juge pas, quand tu auras la quarantaine, tu verras, quand tu fais la fête, tu mets 2 mois de te remettre. Bonjour. Bah, c'est dur. Oh, le temps, mais c'est quoi ce temps? Et franchement, ça fait je sais pas combien de semaines qu'il pleut tout le temps. Voilà, j'ai remis la doudoune, le pull. Bon, là, j'ai l'orthophoniste pour normalement toute la semaine, je vais arrêter de le dire parce que c'est comme ça tous les jours. Mon fiston s'en va. Bon, je peux pas parce que j'ai l'orthophoniste. Donc c'est ma belle-sœur qui va m'emmener à la gare. Je suis dégoûtée. Mais bon, il n'a pas le choix, il a une... il finit sa licence 3, là, et il a comme une dissertation à faire devant un jury, bon bref, un truc comme ça. Et après, il s'en va un petit peu en vacances en Grèce. Donc je suis dégoûtée quand même, c'est passé super vite, et il ne sera pas là pour les 18 ans de sa sœur, parce que ben, on peut pas faire l'aller-retour pour 3 jours. J'ai mon doigt devant la caméra, on adore ou pas? Ouais, on peut pas le faire revenir 3 jours, quoi. Ça fait beaucoup de trajets. En plus, maintenant, les prix sont exorbitants. Attendez, j'ai pris un train SNCF qui fait Pau, Bordeaux, Bordeaux, Lille, Lille, Valenciennes. Il regarde son billet ce matin, ils ont annulé le train de Lille, Valenciennes. Sauf qu'il est à 11h30 du soir et que bah, ils n'ont pas dit, il n'y a pas d'autre moyen de locomotion, il n'y a rien. Je lui dis, ils sont dans l'obligation, il me semble, dites-moi. Hein. Soit de lui payer une nuit d'hôtel, soit de lui payer un taxi. Hein. Si tu te laisses pas faire, sinon c'est moi qui, je te jure, je vais péter un câble, je vais appeler. Attends, il propose rien, même pas un remboursement, rien. Bon, j'y vais, je suis à la boue. Je suis en train de faire un montage, je crois que Léna a la faim. Elle nous a fait tartine de saumon avocat sur 4 tranches de pain, quoi, une demi-baguette. Et une petite salade, tomate, mozza. T'as faim, Léna? Oui. Parce que c'est un buffet à volonté, là. Après, ouais... Après, ça c'est trop bon. Avec du beurre et du saumon, c'est trop bon. Bon appétit. Ma baraque, en bordel, il faut que je tout que je range. Je viens de faire des TikTok et en fait, la robe que Aladdin m'a achetée, Tiana, est trop petite. Donc, je vais la mettre sur mon Vuitton si vous aimez ce genre de robe. Ça coûte assez cher parce que c'est des robes qui viennent d'autres pays. Il y a les frais de douane et tout, mais elle est toute neuve. Donc, on a la fleur... Et t'as les fleurs de nénuphar et elle est doublée avec un jupon vert. Elle est vraiment, vraiment très jolie. Si ça vous intéresse, d'abord, je vais mettre mon Vinted en barre. Il est toujours en barre d'information, je crois. Voilà, toutes mes robes Disney, regardez. Et regardez sur Shein, j'ai eu quoi? Gus Gus et Lucifer.
Mais la matière, c'est du velours. Il est trop beau, quoi. Il est vraiment super beau. Et Gus Gus, là. Alors, peut-être mettre comme ça. Il n'y a pas de place ici. Il n'y a pas de place. Cet appartement me dégoûte. Il est trop... Bon, bref. Voilà, ça, c'est sur Chine. Je vous mettrai le lien. Ça sera la semaine prochaine, cette vidéo. Il y a des belles pépites. Là, je dois tester un épilateur. Je vais faire l'unboxing et on en parle tout de suite. Alors, c'est cet appareil, le High School Air Removal Device. Bon, ça, on s'en fout. Donc, il a une force, il a une fonction refroidissement. Alors, c'est ce qui va protéger la peau pendant l'épilation. Et ça soulage aussi la sensation un peu de brûlure. Personnellement, moi, j'ai déjà testé, ça brûle pas. On voit qu'il y a 9 niveaux d'intensité, ce qui va permettre d'épiler 3-5 fois plus rapidement. Ils disent qu'il s'adapte à différents types de peau, même les peaux fragiles. Et que là, il a un grand niveau de flash. Donc, je vais faire l'unboxing, vous inquiétez pas. Donc là, ils nous promettent qu'en 8 semaines, le traitement est complet. Alors, ils m'ont passé un code promo, vous savez comment ça fonctionne. Ça sera moins 5%. Je vous mets le lien en barre d'infos de ce produit-là si ça vous intéresse. Donc, ouais, là, ils disent quand même de mettre des lunettes de soleil. C'est pas la première fois que je teste ce genre de produit. À chaque fois, ça repousse un peu. Alors là, je sais pas, faut que je le teste. Là, je vous fais l'unboxing, je vais le tester une fois, mais je vais continuer après. C'est vrai que dans les instituts, elles mettent des lunettes. Hein. C'est pour ça que je pense que c'est bien. On a les lames pour raser ses jambes. Alors, parce qu'en fait, faut que ton poil soit court. Là, on a le chargeur, quoi, la batterie. Et voici l'appareil. Tu vois, alors je vais pas l'allumer parce que j'ai pas envie de vous faire mal aux yeux, mais on va le tester, ne vous inquiétez pas. Il est assez léger, là on branche le truc. En fait, le mode manuel, c'est pour les petites parties, genre sous tes aisselles, ton maillot. Et t'as le mode automatique, c'est pour les jambes, les grandes parties. Ils disent même le dos, même les cheveux, pour peut-être les hommes, je sais pas, le torse. C'est vraiment pour les grosses zones. Donc automatique, c'est les grandes zones. Donc là, je viens de le brancher. Voilà, là, alors je vous montre un peu. On a le logo du froid. Là, il est en mode automatique quand on reste longtemps appuyé. C'est ce que je vais faire puisque je vais faire pour mes jambes. Donc là, quand tu appuies, tu n'as pas de lumière. C'est quand il est en contact avec la peau que ça sera rouge. J'ai mis mes lunettes de soleil. Alors, c'est parti, on y va. Alors, j'ai mes jambes rasées, heureusement. C'était mon anniversaire. On dit bonjour à Elsa, on adore ou pas. Ah ouais, c'est froid. Les gars, c'est pas douloureux du tout. Et on sent bien le froid. Hein. C'est impressionnant le flash. C'est vrai qu'il vaut mieux mettre des lunettes de soleil. Aladdin, il est à côté de moi, il me dit le flash est vraiment très fort. Ça ne brûle pas. Et on a vraiment cette sensation de froid. Ce qui est plutôt agréable. Voilà. Après, je sais pas, le retour, faudra que je teste sur 2 mois. Donc, ça a testé sous 8 semaines. Ce qui est bien, c'est que, voilà, je connaissais ce système-là, que fallait que ça soit posé sur la peau pour que les flashs s'enclenchent. Faut rien lâcher, en fait. Parce que parfois, ça ne fonctionne pas parce qu'on ne le fait pas toutes les semaines, en fait. Donc, faut vraiment le faire pendant 8 semaines. L'effet froid, c'est top. Tu peux régler automatique ou manuel. Tu as la notice, tu as le QR code, tu as le lien Amazon en dessous. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Je te le mets. Si vous l'avez testé, alors j'ai regardé les avis avant, hein, bien sûr, hein, j'ai regardé quand même. Il a des très bonnes notes, des bons avis. Donc voilà pour cet appareil. Sachant qu'il fait très gris, donc sincèrement, on n'a même pas envie de s'épiler. Hein. On a presque envie de laisser tout pousser pour avoir plus chaud. Non mais sans déconner, c'est quoi ce temps de merde? Bon, je suis en train de faire le ménage. J'ai mis Elsa ici. Mais je vais enlever les deux cadres ici, inverser la télé et le canapé. Il fait sombre, hein, les gars, mais je... Franchement, le temps, il est horrible. Et Mickey, ici, en fait, je vais le basculer ici, à côté d'Elsa. Parce que là, on est proche de la table et j'ai vraiment peur que... Bah, les enfants, parfois, ils sont turbulents. Et c'est vrai que, voilà, j'ai peur qu'il y ait de... Il n'y a pas de vitre, en fait. S'il y a un peu de sauce tomate qui va là-dessus, tu vois ce que je veux te dire. Mon cadre, il est foutu. Hein. Donc, si je le mets là, c'est plus sécurisé. Ces cadres-là, je sais pas si je vais pas les vendre sur Vinted. Si ça vous intéresse. Parce qu'en fait, je me suis un peu lassée. C'est des toiles qui viennent de Disneyland Paris que j'ai encadrées. Donc, on a le château de la Belle au bois dormant et on a bien sûr Phantom Manor. Donc, si au cas où, n'hésitez pas encore à me rejoindre sur Vinted, je sais, mais je fais du tri là en ce moment. Il y en a trop de babioles. Nouvelle inspi! Cette fois-ci, c'est le Procénic. C'est une marque que je collabore depuis des années avec aussi. Ça doit faire 2-3 ans que je reçois. Et là, en fait, ça tant mieux parce que le mien, je sais pas, j'ai un problème au niveau de l'évacuation. Bon, bref, donc tant mieux. Parce que j'ai encore des confettis d'anniversaire partout. Et les robots laveurs, c'est bien, mais ça lave en même temps. Moi, je veux juste un aspirateur à manche, là.
Donc ils disent powerful suction, LED, ça j'aime trop. Quoique quand on voit la lumière, on a encore plus envie d'aspirer partout. La batterie, ça dure longtemps. Pet friendly, je sais pas, c'est pour nos amis les animaux. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà ce que ça donne. Bon, comme d'habitude, c'est fourni avec plein d'accessoires. Ça, c'est bien. Je vais faire mon canapé après. T'as le système pour l'attacher au mur. T'as plein de trucs, en fait. Plein de trucs. Je vais le monter. Ça, c'est pour nettoyer tous les recoins et la voiture. C'est top. Et en dessous, on a Mister Aspirateur. Allez, je le monte. Donc, il est tout simple. Il est gris. Il est sobre. Il n'est pas chargé, donc je vous retrouve tout à l'heure, je vais le charger et je vais changer mes meubles de place en attendant et j'aspirerai à la fin. Là, j'ai laissé même pas 10 minutes, j'ai juste fait un TikTok, il est déjà à 63%. Donc j'ai viré le canapé de place. Allez, je l'ai fait tomber sur mon pied. Ouais, donc plus tu mets fort, moins en batterie ça tient, ce qui est normal, parce que ça consomme plus. Bon, je vais mettre en mode musique, parce que, tout simplement, ça va vous casser les oreilles. Allez, nettoyer, balayer. Voilà ce que j'aspirais en même pas 2 minutes. Voilà, toute la moumoute qui était là. Voilà, trop bien. Je vous mets le lien de l'aspirateur Proscenic. Bon, il y a 3 niveaux, ça reste des aspirateurs. En fait, ils se valent tous. Hein. Mais c'est une très bonne marque. Il y a plusieurs niveaux. Il est facile à vider, il est léger. T'as plein d'accessoires fournis avec. Je peux même faire mon canapé, chose que je vais faire après. C'est l'heure du canap. Allez. Voilà, mon vieux canapé est inspiré. Oui, bon, c'est de la récup, hein, les gars. Mais en attendant que je déménage, je le garde. Je suis en train de faire mon retouche, on est vendredi matin. Et vous verrez, je suis franche avec vous, dans cette vidéo, il y a pas mal de collaborations. Alors franchement, dans mes vlogs, c'est à peu près une fois par mois, voire tous les 1 mois et demi. Hein. Je vous en parle, je vous saoule pas avec des collabs toutes les semaines. Non, non, pas du tout. L'aspirateur, j'en avais besoin. Alors, donc c'est encore moi qui dis oui, parce que j'en avais vraiment besoin. Je vous explique que l'autre a lâché. L'épilateur à lumière pulsée, je me suis dit ça peut être intéressant. J'avais regardé les avis auparavant et je me suis dit voilà, l'été, les poils c'est relou, on en a marre de se raser, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je vous en parle. Il n'y a pas de gêne à vous en parler. Vous savez comment ça fonctionne sur les réseaux. Tous les jours je reçois des mails pour des collabs, je n'accepte pas tout. Allez, 80% je n'accepte pas, c'est des vendeurs Amazon. Ils me vendent genre, ils veulent que je parle d'ampoules, de prises, de chargeurs, et je fais pas ça. Je le fais si j'en ai besoin, en fait. S'il me dirait oui, tu veux une batterie externe, je te dirais oui, parce que sur le parc Disney, j'en ai besoin pour recharger mon téléphone, pour moi filmer. Je vais prendre des choses utiles, toi. Un aspirateur, j'en ai besoin. Alors, je sais, certains vont se dire, Priscilla, tu reçois, je sais pas, 10 d'aspirateurs par an, mais qu'est-ce que t'en fais? Alors, parfois, comme là, mon ancien est en train de lâcher, donc je le garde, tu vois. Alors, j'en donne à la famille. Aujourd'hui, les petits sont à la cantine, mais alors Eden m'a fait une crise d'angoisse ce matin. Son frère, il est parti hier, il m'a dit, je crois que c'est ça, j'ai du mal à supporter que mon frère s'en va. Bon, il revient pas avant juillet. Et il est très fusionnel avec son frère, et crise d'angoisse directe. J'ai dit, Eden, allez, respire. Il marchait courbé. Je suis en train d'imprimer le dossier MDPH. J'ai reçu une notification comme quoi le dossier MDPH de Eden, fallait le renouveler, en fait. Faut m'expliquer, là. La MDPH. Ok, tous les 2-3 ans, t'es obligé de le renouveler. Pourquoi? Faut m'expliquer, parce qu'en fait, quand ton enfant est en handicap, c'est à vie. Hein. Il n'y a pas de pilule miracle. Il y aura peut-être un petit peu d'évolution sur la motricité, tout ça. Mais quand ton enfant il est né autiste, il reste autiste. Hein. Quand ton enfant est TDAH, il reste TDAH. Je comprends pas ce principe que c'est pas à vie, un dossier MDPH. Attends, je te montre quand même. Ça y est, je viens de l'imprimer, regardez. Il y a 20 feuilles à remplir. 20. Il faut que je retourne chez le médecin pour avoir l'attestation, le certificat médical. Il faut tout refaire, quoi. Ça prend 2 heures. Il faut tout refaire. Moi, je suis dégoûtée. Hein. Franchement, je suis dégoûtée. A few moments later. 2 heures plus tard, d'imprimer. Alors, c'est un GVASCO. Ça, c'est un compte-rendu de ce qui a été mis en place au niveau du collège. J'ai un nouveau bilan, c'est celui de l'orthophoniste. La demande était faite. Alors là, j'ai fait un renouvellement pour qu'il ait son allocation. Donc, c'est pas tabou. C'est 142 €, je crois, qui me sert à payer. Les soins, en fait, je l'utilise pour les deux. Parce que Noam l'a pas.
Et Noam, pour l'instant, ça coûte plus cher qu'Eden. J'ai tellement de rendez-vous que je ne sais plus. Orthoptiste, orthophoniste, psychomotricienne. Il m'en manque. Il y a kiné. Je ne sais plus. Bref, tout ça, ça fait entre 400 et 500 euros avancés par mois. Et donc voilà, là c'est le renouvellement. Et j'ai demandé une aide au transport. Alors, soit c'est moi qui l'emmène, comme je fais tous les jours, mais j'ai une aide, je crois que c'est 100 euros pour l'année, pour le gasoil. Et où il aurait droit peut-être à un taxi qui l'emmènerait de l'école à ses rendez-vous médicaux. Je ne sais pas ce qui va être mis en place. J'ai fait la demande, on ne sait jamais. Je viens de recevoir un colis, je suis choquée. Mais comment ça se fait? Mais Audrey, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai envie de pleurer. D'Audrey de Génération Disney, vous savez, le site où j'achète mes Loungefly, que je vous dis, passez par elle, c'est un site français, il n'y a pas de frais de douane, elle est trop gentille. Ah, non mais, tu te fous de ma poire là, c'est pas possible. Attendez, j'ouvre ça, je vous montre pas ce que j'ai. Je m'y attendais pas, non, c'est pas possible. Je viens de faire une story. Tu joues avec mon petit cœur, Audrey. Tu joues avec mon petit cœur. Alors, là, je peux vous le montrer, parce que je sais qu'il va pas regarder mon vlog. Les gosses, ils aiment pas les vlogs. Hein. Elle m'a offert un immense Sonic. Alors, vous savez qu'Eden est passionné de Sonic. C'est vraiment sa passion, quoi. Plus que tout. Il kiffe Sonic. Mais t'as vu la taille? Il est immense. Immense. Donc déjà, tu penses à moi, c'est un truc de ouf, mais en plus, tu penses à mes enfants. Donc, je sais pas, voilà. C'est trop. Là, non, mais pourquoi t'es pas plus près de chez moi, quoi? Pourquoi t'habites aussi loin, Audrey? Pourquoi? Ensuite, non mais un peu de magie, hein, parce que non mais là j'ai des larmes aux yeux, donc c'est pas une blague. Hein. Donc je vous expliquais, je sais pas si je l'ai montré, tellement je suis perturbée. Un Stitch comme ça, il est lourd en velours, c'est non mais t'as vu le truc quoi? Il est incroyablement beau. Ça c'est sur Génération Disney les gars. Tous les mois t'as le badge offert, donc tous les mois ça change. Et ça je l'ai, comment ça s'appelle ça? Ça je les garde pour l'anniversaire à Léna. Je m'y attendais pas, mais pas du tout. N'hésitez pas à aller voir son Instagram, je vous mettrai en barre d'infos, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Quitte à ce que vous l'harceliez de messages et vous disiez « on vient de la part ce rêve bleu », n'hésitez pas à lui dire. Et en plus, j'ai toujours un code promo qui est valable toute l'année, c'est CRB59 en majuscule, moins 7 euros. Quand vous voulez acheter de la pop culture, du manga ou du Disney, n'hésitez pas à aller voir sur son site. C'est un site français, c'est livré dans la semaine en Colissimo. Hein. La livraison est gratuite à partir d'un certain montant, il me semble. J'espère qu'on se verra, hein. Je vais te mettre des fessées. Hein. Tu joues trop avec mon petit cœur. Ah non, mais je vous jure, comme quoi on fait des belles rencontres. Hein. Je vous jure qu'on fait des belles rencontres. Je vous jure, merci encore Audrey si tu passes par là. J'ai réussi à avoir un rendez-vous sur Doctolib à midi 15 avec mon pédiatre. À midi 15, donc je me dépêche. Je sors du pédiatre. Déjà, elle m'a pas fait payer. Elle a demandé à ce que le petit, quoi, les deux petits soient en ALD. Donc comme ça, j'ai plus besoin d'avancer des frais. Franchement, elle est juste incroyable. Il y a une dame qui me regarde en train de filmer. Bon, bref. Elle m'a donné des conseils. Et elle m'a donné le compte-rendu. Donc le diagnostic final, oui, c'est TDAH avec suspicion de TSA pour Noam. Elle va me le remplir en ligne, le dossier MDPH. Elle est trop mignonne. Franchement, elle est trop sympa. Et elle m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit, vous êtes la première à me poser la question, comment je vais? Et elle m'a dit, est-ce que vous pleurez et tout? J'ai dit oui. Est-ce que c'est très dur ce que vous vivez? Et j'ai dit juste le fait que vous me le demandiez, ça me fait bien fou. Parce que en fait, on parle souvent des enfants, mais on ne parle pas de la maman ou des parents qui gèrent ça. Et c'est une charge mentale énorme. Et elle m'a posé la question et elle m'a dit, il faut absolument voir un médecin qui vous donne un petit traitement. J'ai dit non, on va faire ça. Elle m'a dit, vous savez, si vous n'allez pas bien, les enfants, après, ça ne suivra plus. Et franchement, ça m'a soulagée, ça m'a fait du bien. Voilà. Donc, comme quoi, j'ai trouvé un médecin en or, quoi. Pour les petits et même pour moi, quoi. C'est la merde. Oh, j'ai mon torticolis en pire. Non, pour de vrai, comment j'ai fait ça, quoi? Comment j'ai fait ça? J'ai vraiment mal. J'ai pris un anti-inflammatoire. J'ai du boulot en plus. J'ai énormément de boulot à faire. Je suis clouée au lit. Bon, me revoilà avec ma Minerve. Je vais faire des nuggets au petit et je vais vous montrer à l'air fryer la chifraille, là. Vous voyez celle-ci? Alors, en ce moment, il me semble qu'il y a le code promo qui va avec. Et en fait, la semaine dernière, j'ai oublié de vous le dire. Voilà. Bah ouais, mais je peux pas tout manger, quoi. Mon cerveau, il est en ébullition constamment. Je n'en peux plus. Là, j'ai été aussi à la MDPH poser le dossier à Eden tout de suite. Parce que ça met très longtemps à être traité. Le médecin est opérationnel. Elle m'a envoyé par mail le dossier MDPH rempli. Elle est trop mignonne. Là, je vais leur faire des nuggets et peut-être des boulettes. On appelle ça des pommes dauphines. Ouais, je pense que je vais faire ça. Alors, je vais faire des crusty chicken. Ça, ils aiment bien. Ils sont super bons. Alors là, je vais mettre ça et à côté, je vais mettre les boulettes. Allez, voilà. Là, on peut allumer comme d'habitude, hein, je vous expliquais.
Il y a l'option, on voit la cuisson. Voilà. Et là, c'est parti pour 15 minutes, je pense à 205. On a mis sur Air Crips. Il y a Léna, on te voit Léna. On te voit. Et en haut, il y a vraiment un large choix. C'est marqué bien dans la notice, vous inquiétez pas, c'est facile à utiliser. It's time. Alors, les boulettes, est-ce que c'est cuit? Oui. Et est-ce que les nuggets, c'est cuit? Oh là là, bien croustillant, regardez-moi ça. Ça donne trop envie, mais c'est pour les gosses. Priscilla, retiens-toi, t'es déjà assez grosse. Il faut faire quelque chose, les gars. Je sais, j'ai l'air con comme ça. Léna va avoir 18 ans. Dans le 5 juin, exactement. Et là, ça va pas, Léna, elle pleure. Ouais, ben non, mais franchement... Bon, je vous dis pas pourquoi, parce qu'elle va bouder. Mais faudrait qu'on prévoie un truc pour Léna. Qu'est-ce qu'on pourrait prévoir pour Léna? Voilà. En plus, elle est canon, regarde. Non, non. Ma bichette. Voilà. Je suis dégueu. Elle m'a dit, je suis dégueu. Rassure-toi, tu me regardes, tu vas aller mieux, Léna. Regarde-moi, tu vas aller vraiment mieux. Elle m'a dit, je suis dégueu. Salut, c'est moi. Alors, on est en ce samedi. J'ai fait vos colis Vinted, là. Canapé, attendez, je vous montre. Bon, Noah m'a sauté dessus, mais j'ai mis les deux cadres, voilà, comme ça. Ouais, donc voilà, j'ai tout mis comme ça. Moi, la table basse, j'en peux plus. D'abord, ces meubles-là, tout ça, ça va dégager quand je vais déménager, parce que je supporte plus. Mais c'est en attendant. Donc voilà, comme ça, j'ai mis mes deux cadres là. Donc, là, on s'en va où, Noam? À Disney. Ouais, j'aurais tort. D'abord, avec mon torticolis, c'est mort. Hein. À Disney. Je mors. Non, on va à Action. C'est bien, mais c'est moins bien. Hein, oui, on est d'accord. Bien, ouais. Bon, on va déposer vos colis. J'avais mis un pas de chauffant, mais ils sont enlevés. Allez, où, Léna? Léna! Elle est là. Ouais. On est convoi exceptionnel. Un colis, un caddie rempli. Je vais faire mes courses pour la semaine. Et ce soir, on s'en va à Tarbes. On s'en va voir l'élection de Miss. C'est Miss quoi, Léna? C'est Miss. Au Pyrénées. Non, je crois que ça. Je... Non, c'est pas aux Pyrénées. C'est. Ça, je regarde. Non, c'est pas Berne. On est à Tarbes. Et vu qu'on attend le truc de Miss, on a trouvé un des plus grands buffets à volonté du coin. C'est trop bien. Ah, mais la déco, elle est trop belle, quoi. Franchement, c'est super canon si vous êtes de Tarbes. Franchement, même ça, là, en bois. Franchement, c'est... Et mais le choix des sushis. Léna, alors? Sa chimie, il est pas bon? Il y a une arête. Ah, merde. Sérieux? Ah ouais, quand même. C'est pour ça que j'en ai pas pris, parce que j'ai eu peur. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a peur de salir. Bon, allez, bonne app. Bon, on s'en va voir les élections. Je partagerai ça sur Instagram. D'abord, il y aura trop de monde, je peux pas filmer. C'est pas la peine pour les droits à l'image. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me soutenir, à liker, à partager. Et à me rejoindre aussi sur Insta, où c'est que je vous partage en direct les choses qu'on vit. Léna est trop dans son monde. Elle est en mode kiff, hein. On va avoir plein de miss, très contente. Donc je vous dis, la team, à la semaine prochaine. Mon torticolis va un chouïa mieux. J'ai pris des anti-inflammatoires avant de venir. Mais j'espère que ça va vite partir, parce que j'ai vraiment mal. Beaucoup m'ont demandé sur Instagram. Et le resto qu'on vient de faire à table, il est dégueulasse. Il est vraiment pas bon. Ah ouais, par rapport à ce... Non, c'est pas bon. Voilà, au cas où ça vous intéresse. Allez, à la semaine prochaine.